Bon. Je pense que par contre l'ingénieur son, il avait vraiment zéro son diplôme. Je pense qu'il a un peu trop de café. Tu vois là, tu peux donner des morceaux de fond. Enfin bref, Yann. Tout ça pour te dire au final que t'es une petite pute. Ouais, tu peux la bite. Tu peux la bite, bah ça c'est. On arrive en fait. Tu peux la bite. On se décale un peu. Quelqu'un pue la bite, c'est Yayan. Voilà. On sort de la planète, on est dans l'espace, comme ça on fait. Ça sent rien? Encore la bite. Ça sent rien? Non? Ça sent rien? Et on fait. Mais est-ce que la voie lactée a une odeur? Ça, je pense qu'il faut demander à Robinis quand même. Parce que sur la question, il a l'air d'être très renseigné. Ouais, Mais assez calé. je pense qu'il se renseigne un petit peu entre Black M et Maître Gims, c'est il prend des. Il calme comme ça, il fait. Oh yeah! Tu sais, ils sont entre potes, ils font. Elle répondait ton nom de belle là! Personne ne voulait lâcher elle là! C'est pas ça les paroles, mais on s'en fout. Non? Non, c'est. Ouais. C'est ça? Non, c'est. Je répondais ton nom de belle là. Personne ne voulait lâcher là. Les gens ne voulaient pas lâcher elle là! Ah, les gens! Les gens, les Ok, gens! ok. Les gentils! Contes et légendes d'outre-mer et d'outre-terre et d'outre-passer les limites de l'infraction rectale. Je pense que c'est là que se place la sodomie au sein de la société. Clairement. Ça n'a aucun Hein? rapport, Yann. On arrête parce que ça n'a aucun Oui. rapport. Bon. Mais franchement. Moi, il y a marqué PD de Black Ass au Mono. Ah oui! Moi, je t'avoue que j'avais oublié. Tu sais, je l'avais même vu. Je te déchire l'anus. Ah C'est oui, mon mot de ça. la fin. Mon homo de la fin pour toi, Yann. Je te déchire l'anus. Mais du coup, maintenant? Non, c'est plus une valeur générale. C'est je te déchire l'anus en général. Tu sais, c'est pas ponctuel. C'est vraiment quelque chose qui arrive régulièrement et qu'on ne peut pas trop dater au final. Décevant. C'est comme on dit, les Arabes ils puent. C'est pas. Soit Ouais, mais les Arabes, soit ils pas puent, ils vraiment. puent aujourd'hui, ils ont pué hier, ils pueront demain. Mais on Ça, dit c'est pas juste rien les de dire. Arabes ils puent. Bah, Yann, c'est pareil, je te déchire l'anus. D'accord. C'est un peu comme Après, Yayan, t'as un gros bébé. là où tu peux un petit peu faire le titilleux et tout, c'est Dans son anus. est-ce qu'on peut appeler ça un anus à ce niveau-là? J'avoue qu'il a été tellement écarté qu'on dit, c'est ça? Je suis pas sûr. Je pense qu'il faudrait inventer un terme. Dystomnie, je pense que c'est pas. Donut. Ah mais c'est un terme qui existe déjà. Ah ouais. Stargate. Bah. Ouais, mais je pense trop à Ah mais c'est univers, pareil. une île et tout qui Si on fait traverse, univers aussi, ça c'est pareil dégoûte un parce peu. que si on dit que son anus c'est un univers, Robin il va faire chier à dire ouais, mais est-ce que son cul il pue? Est-ce qu'il y a une odeur? Ça Ouais, va c'est ça. casser. Enfin voilà. En plus, franchement, s'il avait regardé avec les os. Putain, par contre, c'est pas beau là. S'il avait. Je crois qu'il faudrait. Attends, Un ferme ta petit gueule. coup de captain, Un petit mais coup de cap. s'il Toi avait qui là? maté. Ouais, c'est moi qui l'ai dit. S'il avait maté l'exoconférence, il saurait. Il saurait que la Voie lactée a un goût. Un goût. Le méthyl de teub, de propanol, de petite salope, machin truc, que je connais pas la formule. Moi Et je de connais. framboise, machin truc. Ça a un goût de framboise. La Voie lactée a un goût de framboise. Ouais, mais est-ce qu'on peut sentir goûter la Voie lactée au niveau de nous-mêmes? Bah, ferme ta gueule. Est-ce que la Voie lactée, tu peux arriver à faire. Bah non! Bah du coup peut-être qu'elle a pas de goût, bah peut-être que ça a rien à voir mon con! Suffit-il de goûter pour désirer un ami? Bah c'est quand tu vois Yann qui marche dans la ruelle, t'es en mode. Le Black Au Ass début, tu Mojo. sais, au début t'es en mode. T'es en meuf. Au début t'es en Si t'es mode, en meuf, c'est pas justement, t'es vrai. en mode, si c'était une meuf, je la pèterais. Oh Et au bout bah. d'un moment, t'es en mode. Faut pas trop qu'il se penche quand même. Et il y a un moment où, bah, il se penche. Et Hélas. toi, c'est ta soif que t'épanches. Pas 100% sûr de cette blague. Le coca manque toujours, hein. Le coca manque. Hein? Ça, c'est. Il a de la saveur, mais. C'est vrai que l'odeur, ça montonnait, tu sais. Il y a un petit. Comme la moutarde, un peu. Qui est pas là. C'est. La petite douceur du coca, elle est absente. Un petit peu comme la vitalité de Yayan, pour faire le parallèle. Mais là, c'est plus absent, c'est perdu. Non, parce que perdu, faudrait qu'il en ait eu avant. Mais justement, ça c'est une vraie question.
Virilité, Yayan, virilité perdue ou jamais acquise? Virilité absente. Jamais acquise? Non, parce que acquise, ça veut dire qu'on pourrait l'acquérir. Est-ce qu'il peut l'acquérir? Est-ce qu'il est en puissance? Est-ce qu'il a la virilité en puissance? C'est ça la question. Je pense que oui, c'est ça qui est triste. Merde. Je pense que c'est possible et qu'il n'en pas tant que ça en fait. Non, là quand même. Je peux pas plaisir de dire la personnalité, un peu de bonne volonté, c'est plaisir. Bah, ça reste Yayan, le futur de Bit qui est pas venu ce soir à la carte. J'avoue, mais ouais, j'avoue en fait. Bon, hein, c'est vrai que s'il mettait ton slip sur la tête, qui est d'ailleurs le mien, ou s'il mettait ce magnifique, je fais un peu de pub, hein. Bandeau, non, ça commence à... Calot, hein, on voit bien les insignes. Vous l'aurez dit, vieux chapeau dégueulasse. Non, bah arrête, c'est. Quand même. Regarde dans l'extrême, tu vois, moi je me lève le matin, moi. Moi ça je l'ai acquéri, pas moi. À la sueur de mon front. À la sueur de mon front, regarde. Moi c'était à la sueur de boule du coup, mais. Ouais. Bah. Déjà. Ah. Moi je ne fais que souligner. Bah tu veux pas souligner par ici, mais. Viens souligner. Non, mais c'est. Ok. Mon assistant dit vraiment de la merde. C'est toi l'assistant. On s'en passera. Ouais. Bon, tout ça pour dire, Yayan, que le respect se perd, le respect se prend. En vrai, Yayan, il faut faire quelque chose. On ne sait plus quelle solution t'invoquer. Je sais pas si t'invoquer c'est le mot, mais. Non, quelle solution te proposer. Mais c'est pas c'est proposer ça, non plus, c'est te suggérer peut-être. Ouais, c'est pas trop mal, suggérer. C'est pas mal, parce que je connais pas. Ouais, c'est. Il y a 2G déjà, bon, il y a 2G dans ce sujet. Déjà, il y a gérer. Ça fait un peu. Ah bah, gérer, je connais pas. Un peu adultère, tu sais. Adulte, oui. Peut-être adulte tout court. Tu être adulte pour comprendre adultère. Bah, un adulte sur Terre. Ah oui. Adultère. Ah oui. Hein? Si, c'est ça. Ouais, bah, ok, c'est bon. Ah, je suis pas c'est bon, oui, alors. Putain. Il bacasse des fois, cet assistant.